RTL. Les fabuleuses destinées. Fabuleuses destinées. Jean-Alphonse Richard. 26 mai 1966, sur toutes les radios, trois accords parfaits que tout le monde a sur les lèvres. C'est une poupée qui fait non. La poupée qui fait non bat les records de vente, lance la fabuleuse destinée d'un certain Michel Polnareff. Il l'a composée sur les marches du Sacré-Cœur à Paris, désormais reprise par les Américains. C'est un petit peu un conte de fées, vraiment. La poupée qui fait non, tu vois, est devenue no, 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 no en anglais. Pas encore de cascade de boucles blondes ni de lunettes pop, mais la révolution sexuelle made in Polnareff est en marche. Moi je veux faire l'amour avec toi. Moi je veux faire l'amour. J'ai un double personnage, c'est-à-dire le personnage qui écrit des chansons et le personnage qui, disons, est témoin de son temps et prend certaines positions devant certains tabous qu'il trouve un peu dépassés. Chanson interdite d'antenne après 22 heures, mais Polnareff s'en moque. Il est déjà célèbre, riche, courtisé. À l'époque où je n'avais pas d'argent, je ne mangeais pas beaucoup. Maintenant, évidemment, je mange. Je suis pas plus gros pour autant, d'ailleurs. Dévore la vie, enchaîne les tubes. Polnareff, le surdoué, conduit à la baguette son formidable opéra rock. Je suis content dans la mesure où je sais que je veux faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire que je veux écrire des comédies musicales, des musiques de films, sans pour autant, si tu veux, lâcher la chanson, parce que j'adore la scène et j'adore le disque. Mais il déchaîne aussi la méchanceté, les insultes, les attaques sur sa silhouette et ses allures. En réponse, le chanteur, qui désormais ne quitte plus ses lunettes noires, publie ce manifeste. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel, Polnareff crâne, fait scandale. C'est pas du tout un appel à la provocation, c'est au contraire une forme de sourire. Mais derrière le rideau, la drogue, l'alcool, la déprime produisent leurs premiers effets. La chute de l'idole va être à son image ébouriffante. Les fabuleuses destinées sur RTL. Le spectacle de l'année 72 s'appelle Polnareff Révolution. Scandale, 6000 affiches sur lesquelles la star montre ses fesses. Je suis une mouche. Il faut montrer quelque chose en général d'assez beau, mon cul est pas mal. Condamné pour attentat à la pudeur, il récidive. Affiche côté face, cette fois, juste masqué par un chapeau de paille. C'est le chapeau que j'avais sur la tête. Cette fois-ci, il tient tout seul là où il est. Il tient tout seul. Oui, il tient tout seul. La photographe était très sexy. Escroqué par son homme de confiance, poursuivi par le fisc, Polnareff se réfugie aux États-Unis. Signe la musique du film Lipstick et une lettre d'amour à son pays. Huit ans d'exil, puis le retour. Je suis resté à me retaper, à me refaire une santé, à me reprendre en main. Je suis français, il n'y a aucun doute, je suis toujours quelqu'un de français. La lumière, puis l'obscurité, le repli. À la fin des années 80, il s'isole dans une suite de l'hôtel Royal Monceau. Il y reste 800 jours, reclus, coupé du monde. On le croit fini. On dit tout le temps, Polnareff, il est complètement fou. Je suis pas fou. Il y a des choses que je fais pas comme tout le monde, c'est pas pour ça que je suis fou. Opéré des yeux, l'ermite du Royal Monceau va revenir. On te trouvera dans les positions comme à son autre. Avec des concerts comme au premier jour et des tubes qui n'ont pas pris une ride. Mon public, moi, m'a toujours suivi dans tous les slaloms de ma carrière. On est des grands champions de descente, mon public et moi. Lorsqu'on n'oublie pas son public, le public ne vous oublie pas. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Les fabuleuses destinées sur RTL.